Salut tout le monde, c'est Wolf et soyez les bienvenus dans cette 19e et je pense dernière partie d'Ori and the Blind Forest. Et il va falloir mettre la main sur le cœur de feu. Voyons voir un petit peu ce qu'il y a. Alors ici, oui, non, on avait déjà été voir. Dégagez, dégagez. Je suis en train de me faire mal. Ah, voyons voir. Hop. J'ai 2 points de compétence. Il m'en faut un troisième. Je suis pas encore au point. Efficacité spirituelle, mais non. Juste. Voilà. Re-sauvegarde pour regagner 2 points de vie. Ah non, ça va pas marcher. Alors attendez. Ce qu'il faut faire. Ah, mais attendez, j'ai été idiot. Voilà. Alors, faut passer par là. Voilà, comme ça. Allez, on va les pulvériser, ces bestioles. Pas mourir toi. Voilà, très bien. Hop, et on va pousser ça là, et voilà. Et c'est parfait. Je vais juste faire une petite vérification son. Voilà, petite vérification son pour être sûr que tout soit bien capté. Oula. Bon bah, moi qui voulais un peu d'expérience. Il va falloir redescendre, repasser de l'autre côté, je pense. Par ici. Oh, attendez. Voilà. Ça c'est bien. Parfait, c'est encore mieux comme ça. Attendez. Re-sauvegarde. Ah ! Alors là, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'était rien. Il y avait rien de bien. Allez. On va se calmer. Voilà. On va se calmer, ça va bien se passer. Peut-être que si je faisais ça, ça irait mieux déjà. Près des ennemis ? Comment ça près de mes ennemis? Y'a plus d'ennemis. Je n'ai plus que 2 points de vie, me laissez pas dans la galère. Bon. Ok. Comme ça. Et là. Ah. Ouais, bon, de toute façon, ça valait mieux. Ça valait mieux ainsi. On va descendre. Allez. Voilà, je préfère ça. C'est mieux. Mais là, avec 4 points de vie seulement, en fait, ça marche comme sur des roulettes. C'était comme ça qu'il fallait faire. Parfait! Et je remonte à 8. On va pouvoir repasser par ici.
Petit point de sauvegarde en attendant que le lien d'âme soit rechargé. Oula. Sauvegarde ici, nickel, et on passe. Oula. Oula, non, va falloir se dépêcher. Ah, je suis obligé de redescendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais n'importe quoi. Bon, je me laisse tomber. C'était ici. Je suis redescendu comme un idiot. Oula. Plaisante pas les bestioles. Ah! Purée. On va y arriver. Ça demande juste un petit peu de pratique. J'ai fait n'importe quoi. J'avais pas vu qu'il était bouché, qu'il fallait faire autrement. On va attendre qu'il passe. Oula! Pas grave. Oula, c'est quoi ce délire? Bon, déjà, vous savez quoi? On va faire une sauvegarde. On va faire une sauvegarde ici. Pourquoi tu restes bloqué comme ça, Pépère? C'est quoi ton problème? Voilà. Comme ça. Même pas. En pleine poire. Et j'obtiens mon point quand même. Voilà. Sauvegarde. Et là je sais pas trop quoi faire. Si, il faut que j'utilise Non, pas si. Ouais. Ça va pas. Ça ne va pas. Voilà, là ça va beaucoup mieux d'un coup. Ok. Sauvegarde, j'ai regagné presque tous mes points de vie. Ça me coûte pas grand chose, en plus c'est l'avantage. Oula. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une pierre. Je m'en approche, je peux la saisir. Ouais. Et pour les frapper, il faut que je la frappe aussi. Je les fais passer au niveau. Voilà. D'accord, je peux passer de l'autre côté, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ce truc? Faut-il que je passe là? Alors là, ça casse quelque chose, ok. En tout cas, il faut que je passe par ici, ça c'est clair. Maintenant, il faut aussi que j'essaie de prendre ce truc. Peut-être, je sais pas, on verra, c'est pas bien grave. Hop, toi, je te saisis par ici. Et... Oui! Nickel. De garder par ici, toi. Voilà, tu restes bien dans le coin. Et bah maintenant que tu es là, j'essaie de pas me faire brûler. Non, non, non. Reste là. Physique, toi. Ok. Bon, bah, ça marche. Le point de compétence, c'est pas bien grave, hein, on s'en passera.
juste à côté d'un ennemi. Que j'en ai rien à faire. Le lien d'âme se charge encore. C'est vrai que j'ai tendance à en faire tous les... Oula. J'ai tendance à en faire pas mal. Lumière de Sein. Yes! C'est parfait! Allez, on s'en fiche. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Parfait. Ah oh! Oui, j'avais oublié que c'était un sol incandescent. Donc là, on descend. Qu'est-ce... Ah, purée. Ah, j'ai eu peur. D'accord. Pauvre bête qui vivent ici. Bon, d'accord. Ils auront juste réussi à me faire perdre des tonnes de points de vie. Voilà. On va pas s'éterniser. Dame se charge encore, j'essaie d'en gagner un maximum quand même des points de vie parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Cool. Oh purée, encore. Le portail de monstre est ouvert. C'est magnifique. Ouh. Oula. Non, non, non. J'ai besoin de tout sauf d'un ralentissement. Là. Ah, c'est là qu'il faut, par là qu'il faut passer. Y a-t-il quelque chose à aller chercher ici d'abord? Ça m'étonne. Oh! Eh ouais, il y avait quelque chose, effectivement. Ça me paraissait un peu étrange. Et j'ai mon troisième point de compétence! Ce qui est absolument génial. Et en fait, voilà. Et on est à 100% du Mont Horu. On l'a parfaitement visité. On est complet. Côté énergie et côté vie. Je vais sauvegarder ici. Voire même... dans un autre endroit un peu plus stratégique, à savoir ici. Je vais également profiter de mes 3 points de compétence pour avoir la fission de flamme ultra et augmenter encore davantage les dégâts de la flamme spirituelle et toucher 4 cibles à la fois. Maître Martial, j'ai débloqué toutes les compétences offensives. J'ai également débloqué toutes les compétences défensives. Et là, c'est toutes les compétences magiques, j'imagine, de détection. On va se refaire une sauvegarde, je pense. Bon, on va rentrer et puis on verra bien. Allez. Je peux pas? C'est une zone dangereuse, d'accord. Tiens, bah le voilà, le cœur. Nous y voici. L'élément de la chaleur est à nous. À présent que tous les éléments ont été ravivés, nous pouvons réparer les dégâts causés par son coup. Purée. Qu'est-ce que je suis censé faire, moi? Faut que je parte. Ah!
Ah purée.
Je ne sais quoi dire. C'était absolument magnifique. Je pense que ça aurait été vraiment inutile de rajouter des mots sur cette fin. L'aventure se termine ainsi. On va juste vérifier. Nous étions... Oui, à 100%, tout simplement. Il nous a manqué juste 3 sphères d'énergie. Mais l'aventure est terminée. Nibel revit. Hélas, la grande chouette des ténèbres n'est plus. Mais voilà, voilà, j'ai pas vraiment de mots, mais c'était une aventure absolument sublime. J'espère que vous en avez bien profité. Et même si bah, vous avez regardé, peut-être que vous avez déjà joué, peut-être que ça vous donnait envie de jouer justement à Ori and the Blind Forest, je ne peux que vous encourager à vous procurer ce jeu pour vivre de l'intérieur les sensations du gameplay, procurées par le gameplay. Merci beaucoup, énormément, pour votre soutien, pour vos messages adorables tout au long de ce let's play. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures. En tout cas, Ori and the Blind Forest a été une expérience absolument formidable à vivre. Et à vivre avec vous, elle a été encore plus formidable. Prenez bien soin de vous et à très bientôt sur Game & Wolf. Salut!